14 et le 15 janvier, Nintendo a organisé un événement au Grand Palais pour tester justement la Nintendo Switch. Et bon, ils ont mis pas non plus énormément de jeux, mais bon, assez quand même pour pouvoir se faire une idée sur la bête. Et donc, personnellement, j'ai pu tester ARMS, Sniper Clips, et aussi Mario Kart 8 Deluxe et un de Switch. Et par contre, il y avait d'autres jeux, bien entendu, notamment Just Dance, Super Bomberman, Sonic Mania, Splatoon, Ultra Street Fighter et bien entendu le dernier Zelda. Donc bon, on n'a pas pu réellement les tester parce que bon, on n'avait pas le temps, hein, malheureusement, parce qu'il y a un peu de queue, hein, même si les places étaient très limitées, hein, parce que c'était sous invitation l'événement, il y avait un peu de monde quand même. Donc là, notamment, on voit sur l'écran justement le jeu ARMS, donc c'est un jeu de boxe, quoi, avec des héros un peu comme à la Overwatch, quoi, donc qui ont leur spécificité, hein. Et donc, bon, le jeu est bon, il est marrant, on va dire, quoi, c'est, il est marrant. En fait, c'est un jeu qui un peu utilise vraiment les Joy-Con, je dirais qui... C'est du motion gaming, quoi, les Joy-Con, c'est comme des Wiimote, quoi. Et bon, ce jeu-là, il est rigolo, hein, c'est sûr, mais bon, après, personnellement, je me verrais pas jouer 4 heures dessus d'affilée, hein, c'est pas possible. Bon, au bout d'un moment, je pense que c'est un peu fatigant, quand même. Parce que bon, remuer les bras dans tous les sens, voilà quoi, c'est rigolo, mais vite fait, c'est chiant au bout d'un moment. Et là maintenant, on va passer à Mario Kart 8 Deluxe. Alors Mario Kart 8 Deluxe, c'est tout simplement le portage de Mario Kart 8 de la Wii U sur Switch. Voilà, c'est les mêmes graphismes, c'est la même chose, voilà. Sauf qu'ils ont quand même inclus les DLC qui étaient normalement payants sur Wii U, hein, donc là, grosso merdo, c'est une version gothique, on va dire. Et il y a aussi le mode bataille qui a été rajouté. Voilà, donc c'est le mode avec les ballons, etc. Comme sur GameCube, Wii, 3DS, etc. Et bon, bah ça a un Mario Kart 8, quoi. Mais bon, après j'ai pu tester, d'y jouer justement avec les Joy-Con. Et bon, les Joy-Con et Mario Kart 8, ça fait deux. Hein, parce que franchement, dès la première course, j'avais mal aux mains. Voilà. Ça en dit long, j'avais mal aux mains, et puis les boutons LR hein, qui permettent justement de lancer les objets et faire les dérapages, bah ils avaient du mal. Ils avaient du mal. Je veux dire par, exemple, je sais pas, il y avait d'un coup un objet qui se lâche d'un coup, alors que pourtant je n'avais pas lâché le bouton. Les boutons bug un peu, et l'ami qui était avec moi avait aussi ce souci là apparemment, donc bon. Je suis pas le seul à avoir ce souci là, donc c'est un peu bizarre. Donc les Joy-Con et Mario Kart 8, ça fait un peu deux, hein. Donc ça c'est dommage. Et là maintenant on voit d'ailleurs Sniper Clips, donc c'est un genre de puzzle game qui est en coop et qui est assez rigolo. Hein. Donc en fait, par exemple, il y a ton ami qui doit te modéliser, hein, je veux dire par exemple, en fait si tu veux, il peut te couper. Il peut te couper ton personnage, pour par exemple transformer ton personnage en sorte de pique, il peut par exemple crever des ballons, etc. pour, je sais pas, accomplir un objectif dans le mini-jeu. Et donc, bah, ça c'est rigolo, quoi. Et pour le coup, là, par exemple, le Joy-Con, bah, il est pas du tout relou. Hein. Le Joy-Con, il passe. Parce que bon, pour le coup, il demande pas de rester appuyé sur des boutons et tout, c'est bon ça, quoi, c'est un petit jeu rigolo. D'ailleurs on peut voir d'ailleurs qu'on y joue actuellement. C'est la seule séquence que j'ai pu filmer. On était réellement en train de jouer parce que sinon c'était j'essayais de m'incruster devant les gens pour essayer de filmer. Bon bah en tout cas c'était rigolo, on a pu tester pendant 10 minutes, si je dis pas de conneries. Pendant 10 minutes et bon bah on a fait 2-3 niveaux. C'était marrant quoi et bon Joy-Con passait largement avec ce jeu. Ça passait. Mais bon. Après, le Joy-Con, est-ce qu'il va être bien avec d'autres jeux qui, justement, comme Mario Kart 8 qui demandent réellement de, comment dire, d'avoir une bonne ergonomie pour y jouer? Eh bien, ça, je sais pas vraiment. Ça, je pense pas que la Joy-Con est fait pour les jeux du type Mario Kart 8. Après, pour les jeux du type Sniper Clips, ça passe, hein, ça passe. C'est pas des jeux qui demandent réellement une manette de ouf pour y jouer. Hein, mais bon. C'est dommage quoi, parce que bon, vu le prix qu'ils proposent actuellement Nintendo pour les deux Joy-Con qui sont de 90€, ça fait un peu mal. Bon, après il y a aussi le pad pro, hein, donc je n'ai pas pu tester malheureusement, qui coûte 70€ ou 80€, je ne sais plus. Qui ressemble à une manette de Xbox One, PS4, hein, qui est apparemment largement mieux pour Mario Kart 8, etc. Donc bon, ça va. Bon, après le problème c'est que bon, ce manette là n'est pas inclus
dans le pack de la Switch, enfin actuellement pour l'instant. Peut-être que Nintendo va changer ça, j'espère, parce que bon, les Joy-Con, bon, ça va vite fait quoi, c'est pas génial quoi, c'est bof quoi. Donc là justement je monte la Joy-Con, donc là on voyait même d'ailleurs le capteur infrarouge, là d'ailleurs on voit aussi les LED pour dire que je suis joueur 2, et d'ailleurs on a même vu aussi les boutons LR, donc là d'ailleurs on passe directement sur un de Switch. Alors un de Switch, bon c'est un genre de jeu, enfin de jeu qui regroupe des mini-jeux quoi, donc à la Wii Sport, c'est le Wii Sport de la Switch. Bon, c'est un jeu un peu malaisant, on va pas se mentir, on passe le cacher, hein, c'est un jeu un peu malaisant. Bon c'est le jeu, voilà, tu as la limite jouer quand tu vas te bourrer, mais c'est tout quoi, pas plus. Hein. Sinon franchement c'est très bof quoi comme jeu. D'ailleurs on peut voir d'ailleurs le mini-jeu Balcon, qui je trouve c'est le mini-jeu le plus intéressant du truc, hein, c'est pour dire qu'en fait c'est juste essayer de deviner les nombres de billes qu'il y a dans la boîte, parce qu'en fait la Joy-Con possède des HD vibrations apparemment. Bon après les vibrations étaient vraiment impressionnantes je trouve, c'était vraiment pas mal parce qu'on ressentait vraiment les plusieurs billes dans la Joy-Con, c'était vraiment marrant, donc on secouait la Joy-Con pour voir les nombres de billes et fallait justement deviner les nombres de billes qu'il y avait dans la boîte, hein. Et bon bah c'était rigolo et bon bah c'était marrant de voir la technologie HD vibration, HD Rumble. Mais bon après ces gadgets, hein, je pense que les développeurs vont totalement s'en branler. Hein. Je pense que dans Skyrim ou je ne sais quoi, ça va pas très réellement être utile d'avoir des HD vibrations. Donc bon c'est le vieux gadget useless. Mais bon, voilà, hein, c'est comme ça, c'est Nintendo, j'ai envie de dire. Il y a aussi normalement d'autres mini-jeux, ça va arriver je pense logiquement, on attend un petit peu. Voilà, donc Samurai Training, bon bah ça c'est un jeu, bon ça s'utilise maintenant surtout le motion, surtout le gyroscope du bousin quoi, voilà. Et bon bah c'est rigolo mais bon franchement, si ça coûte 50€, 60€ pour un truc comme ça, sincèrement, non quoi, c'est non direct quoi, ça vaut pas le coup, sincèrement ça vaut vraiment pas le coup. Mais bon, après il n'y a pas grand chose pour l'instant line-up de la Switch, hein, à part justement un de Switch et Zelda. Hein. Bon après Zelda, si vous avez une Wii U, prenez-le sur Wii U en tout cas. Hein, parce que même si je n'ai pas pu le tester, bon, à ce que j'ai lu, c'est la même chose que sur Wii U. Hein, c'est vraiment la même chose, hein, c'est un portage, un simple bête portage. Donc bon, si vous avez une Wii U, prenez-le sur Wii U. Vous faites pas chier acheter une Switch pour ça quoi, ça sert à rien. Donc au final la Switch si elle coûtait 250€ etc, bah pourquoi pas, mais la 330€ actuellement chez Amazon, Micromania etc, non quoi, franchement ça vous rend pas le coup quoi, c'est vraiment en fait une Wii U transportable quoi, c'est une Wii U console portable avec 2h30 d'autonomie sur un jeu du type Zelda. Bon, c'est un peu bof quoi. Parce qu'en plus, il y a le online payant, etc. Ça le fait pas vraiment quoi. Je trouve personnellement, ça le fait pas quoi. Bon, après, ce n'est que mon avis, bien entendu. Mais bon, l'événement, bon, malheureusement, m'a pas donné envie d'acheter la Switch. Hein. C'était plutôt un peu l'inverse. Parce que bon, les jeux qui montraient, c'était pas super génial quoi. Par le Zelda, mais le Zelda, bon, vu que personnellement. J'ai une Wii U, ça me sert pas réellement à grand chose d'acheter une Switch quoi, de suite pour Zelda quoi. Surtout qu'il n'y a aucune différence, vraiment. Donc bon. Donc personnellement, la Switch pour l'instant n'est pas intéressante. J'espère vraiment que Nintendo va penser à baisser le prix de la console parce que là franchement sincèrement ça vaut vraiment pas le coup quoi. C'est trop cher pour ce que c'est quoi. C'est trop cher pour ce que ça propose. Donc voilà, c'était mon avis. Au revoir les gens.